22, François est entré dans ma classe. Les genoux cagneux, les godillots couverts de crasse. Le père Louis-Marie l'a présenté, l'a fait s'asseoir. Mon cours a repris au temps des invasions barbares. 23 février, je regarde par le carreau mes 16 écoliers dans la cour avec le nouveau. Notre pensionnat cache aujourd'hui dans sa chapelle un petit François qui, je le sais, s'appelle Samuel. Mercredi 3 mars, nous sommes allés dans la forêt tailler des échasses, chanter aux marches du palais. Parmi les fougères, par brassées, nous avons cueilli pour la cuisinière tout un repas de pissenlit. Ce soir, mardi 30, nous ne pouvons plus nous chauffer. Le charbon nous manque, les enfants dorment en mitouflés. Même au réfectoire, la soupe est de plus en plus claire. Le pain se fait rare et tout ce qui est rare est cher. Ce jeudi 1er, j'ai reçu par le marchand de bois une lettre cachetée que je dois remettre à François. Sa mère lui écrit d'un petit village de Provence, mais le ciel est gris, on a coupé en deux la France. Nous savons tous deux que passer de l'autre côté est un jeu dangereux. Si le commis du boulanger livrait dans un bois pour quelques billets criminels ceux qui, comme François, ont été prénommés Samuel. Mercredi 2 juin, on parle de rafles sauvages. Les taux quotidiens se resserrent encore davantage. Nous sentons tanguer la coquille de noix du destin, dont mon protégé et le passage est clandestin. 11 juin, mardi, les boucs émissaires de la peur sont au pilori, une cible cousue sur le cœur. François, vendredi, me dit qu'il va tenter sa chance. Partir à minuit pour le midi, pour la Provence. Sous la pluie, nous ne gardons que peu d'enfants. Le père Louis-Marie veut rejoindre les combattants. Ce 4 août au soir, il vient de me serrer la main. Dernier au revoir, je crois que j'ai peur pour demain. J'aime la rentrée, les bérets aux porte-manteaux, l'odeur des plumiers, les doigts levés de mes minots. Mais dans la journée, parfois je regarde la vitre. Il n'a rien laissé dans le casier de son pupitre. Enfin je reçois fin septembre de ses nouvelles. Un mot de François qui, cette fois, signe Samuel. Il me remercie, qu'il a trouvé du boulot dans une épicerie et que dans le sud il fait beau. Lundi 11 novembre, un encrier s'est renversé. Sur la carte de France, tout le sud en est maculé. Dans le contre-jour, d'un coup, j'ai revu ses yeux noirs. J'ai repris mon cours au temps des invasions barbares.